Nous pouvons chapitre Locus part 1 et qu'est-ce que Locus? Et Locus is a set of points satisfying a certain condition. Par exemple, question NA: draw the locus of points 3 cm from point A. Alors ça c'est point A. Nous pouvons dessiner locus. Locus c'est set of points qui satisfait sa condition là, qui bat un point qui pour 3 cm depuis point A. Alors, nous capable prendre la règle checker. Alors, un point qui est 3 cm depuis point A, il est capable de sa point ici là. Mais il n'est pas nécessaire à droite. Il est capable de 3 points là, il est capable de 3 cm là-haut. Alors, 3 cm depuis point A, vous gagnez sa point là. Alors, si vous êtes bien, il y a plusieurs ben, points qui sont capables de venir 3 cm depuis point A. Ok, il est capable de 3 cm ici. Il est capable de 3 cm depuis point A ici. Sa point là, il est 3 cm depuis point A. Sa point là, il est 3 cm depuis point A. Alors, si vous êtes bien, si je dessine un circle qui est 3 cm depuis point A, alors un circle, c'est que ce radius est 3 cm, ce centre est point A. Alors, tout le point qui est pour le haut, ce circle là, il est pour 3 cm depuis point A. Alors, nous capables de servir nous compas. Nous servir nous compas. Nous voulons un radius de 3 cm. Là, nous placer le point A et si nous dessinons un cercle center et un radius 3 cm. Alors ce cercle là, comment vous trouvez ce radius, sa distance là, radius de 3 cm. Alors locus of points de pour l'eau sa circle là. Veut dire set of points qui satisfait sa condition là 3 cm depuis point A, les pour venir ben point l'eau sa circle là. Parce que tout ben point qui l'eau sa circle là, les pour 3 cm depuis point A. Next numéro 1 sur partie B, draw the locus of points less than 3 cm from point A. Alors si nous dessinons un cercle qui 3 cm depuis point A, ben, un point qui pour l'eau circle là, il pour exact 3 cm depuis point A. Là, ce qui me fait, je dessine un circle, ce qui 3 cm depuis point A. Next, l'hypéro de ben point, ce qui pour moins ce qui 3 cm depuis point A. Alors, si nous prenons un point, l'eau circle là, il pour exact 3 cm depuis point A, mais il n'y a pas péro de ça. Ben, un point qui pour en dehors du circle là, ce distance, il pour plus que 3 cm depuis point A. Mais ben point, c'est qui pour en dans sa circle là, il est pour moins que 3 cm depuis point A. Par exemple, ce point là, il est moins que 3 cm depuis point A. N'importe qui point nous pour prendre dans sa circle là, il est pour moins que 3 cm depuis point A. Et comment nous pour représenter ça, nous sommes capables de faire du shading. Nous shade pour représenter sa set of points qui peut satisfaire sa condition qui est demandée de partie B là. Alors, si nous faisons un shading. OK? Alors, locus, nos régions, nos set of points qui pour satisfaire sa condition là, less than 3 cm from point A, les pour ben point dans sa circle là et que nous représentons par un shading. Next, numéro N, ce parti C, draw the locus of points more than 3 cm from point A. Ça, c'est point A. Sa circle là, ce radius est 3 cm, veut dire un point qui pour l'eau, sa circle là, il est pour exact 3 cm depuis point A, mais more than 3 cm from point A, il est pour venir un point en dehors sa circle là. Veut dire tout bien région, ne va pas cacher tout, mais toujours nous représente région qui en dehors sa circle là. Alors nous faisons un shading en dehors sa circle là, le là-bas un point qui pour en dehors sa circle là, ce distance depuis point A, il faut plus que 3 cm. OK, alors shading il faut venir outside the circle. Alors, ça c'est locus. Locus
of points, man point qui pour plus que 3 cm depuis point A. Ça c'est réponse pour partie C. Next, nous avons un deuxième locus. Draw the locus of points. La question 1, nous get some centimeters from a point. Là, nous get some centimeters from a line. Alors, 10 cm depuis la ligne AB. Alors, qui est un point qui peut 10 cm depuis la ligne AB? C'est un point. Il est capable de 10 cm là-haut la ligne AB. Il est capable de 10 cm en bas la ligne AB. Alors, ce point-là, nous allons prendre un point qui est exact. Nous allons prendre la règle pour mesurer. C'est 10 cm depuis la ligne AB. Nous allons venir à ce point-là. Nous sommes capables de sa point là, 2 cm depuis la ligne AB. Nous sommes capables de sa point là. Il est capable aussi en bas la ligne là, 2 cm en bas la ligne là. Il est capable de 2 cm à gauche à la ligne là et 2 cm à droite à la ligne là. Alors, ce que nous pouvons faire, nous pouvons dessiner la ligne qui est parallèle avec la ligne AB, qui est 2 cm là-haut la ligne AB. Alors, pour faire ça, nous sommes capables de faire un set square pour dessiner sa parallèle line là. Et nous placer un set square ici. Là, un autre set square ici. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà un amène mesure en centimètres. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? Nous recevons la ligne là. OK? Là, où réussit la ligne là, il est pour exact 2 cm depuis la ligne AB. Et qu'on fait pareil en bas. Un autre petit truc qui nous capable de servir. Nous capable de servir un compas. Nous mesure un radius de 2 cm. Alors, ça, il est 2 cm. Là, qu'est-ce qu'on fait? Nous dessinons un man arc là où la ligne là. Ok, nous allons dessiner 2 ou 3 arcs. Make sure qu'il compare là les piclos la ligne AB. Là, la next, si nous rayons la ligne qui vient d'un tangent avec tout ça, un arc là, qui peut tous zis, low arc là. Alors, si nous faisons ça, la ligne là, il peut exact 2 cm depuis la ligne AB et qu'il peut parallèle avec la ligne AB. Nous allons checker avec nous la règle. Et comment vous trouvez l'exact 2 cm depuis la ligne AB et qui est parallèle avec la ligne AB. Nous faisons pareil en bas. Nous prenons nos compas. Nous validons 2 cm. Place-ci, une place sur la ligne là. Nous faisons nos arcs. Nous faisons nos arcs ici. Nous faisons des 3 arcs comme ça. OK. Là, nous dessinons. Et la ligne qui peut tangent avec sa man arc là. Ok, alors ça la ligne là aussi, il est parallèle avec la ligne AB et que ce distance est 2 cm depuis la ligne AB. Next, à cette 2 cm, si nous pouvons coder point A, ça veut dire at the end of the line. Si nous avons 2 cm depuis la ligne AB, ou soit 2 cm depuis sa point là. Vous trouvez qu'il n'y a pas pourquoi continuer ça la ligne là, sinon il peut arrêter de 2 cm, il peut venir plus que 2 cm depuis sa point là. Et là, ici, nous pouvons dessiner un arc qui est 2 cm depuis sa point là. Alors, toujours, nous prenons compas, nous validons 2 cm depuis point A, nous dessinons un arc. Mais là, nous pouvons limiter notre distance 2 cm depuis la ligne là. Et pareil que point B. Ben si la ligne en plus là nous capable effacer et ben construction line là aussi nous capable effacer OK ça vous capable effacer alors ça c'est au locus of points ici vous trouvez ce mal effacer une dépasser ou capable redessiner OK ça c'est au arc. Alors, là, nous locus, nous pouvons l'eau, sa shape là. Vous trouvez 2 cm depuis la ligne AB. Là, ici, nous pouvons 2 cm depuis point A. Ou pas pour dépasser la ligne AB. Là, il y a 2 cm depuis la ligne AB aussi. 2 cm depuis sa point B là. Alors, ça, c'est locus of points qui est 2 cm depuis line AB. Next, numéro 2, ce parti B. Draw the locus of points. Less than 2 cm from line AB.
Alors, 2 cm depuis la ligne AB, nous finissons de dessiner sa shape, ce qui nous dessine de la partie A là. À celle less than 2 cm from line AB. Alors, nous avons besoin d'un point qui est dans sa shape. Là, elle est pour moins que 2 cm depuis la ligne AB. Là, nous faisons nous shading, point de la règle de faire. Moi, j'ai un petit peu de vite ici. Ok. Ok, ça c'est nous locus. Nous shade. C'est bien la règle de dessiner plus propre. Le tout bien région qui est pour inside this shape, ça c'est le locus of points qui est less than 2 cm from line AB. Next, si nous avons le locus of points more than 2 cm from line AB, c'est-à-dire plus que 2 cm depuis la ligne AB, sa shape là, tout bien point qui est low, sa shape là, l'exact 2 cm depuis la ligne AB. La more than 2 cm from line AB, nous shade en dehors sa shape là. Nous shading pour en dehors sa shape là. Make sure pas rentre dans shape là. Ça c'est locus of points. More than 2 cm from line AB. OK, ça a une shade outside this shape. Next locus, draw the locus of points equidistant from point A and B. Equidistant veut dire equal distance. Qui ban point qui pour même distance avec point A et point B, il y en a deux points. Alors, si nous prenons ça point là par exemple, vous pouvez trouver les plus près à point A qui point B. Nous peut ban point qui même distance à point A et point B. Alors, nous allons prendre ce point qui est exactement le midpoint là. Nous allons prendre un point ici aussi. Mais ce qui est important, c'est la distance avec point A et point B, c'est pareil. Alors, ce que nous pouvons faire ici, nous pouvons dessiner un perpendicular bisector of the line joining point A and point B. Comment nous dessinons un perpendicular bisector? Nous allons prendre la geometrical construction. Nous placons nous comparons le end point là-dedans. Nous allons nous comparer plus que la moitié. Nous faisons un arc là-haut. Nous faisons un arc en bas. Nous pas bouge là, nous compas. Nous placons l'autre point là. Nous faisons un arc là, nous faisons un arc en bas. Côté ça, deux arcs là, une zone. Nous joignons avec un straight line. Alors, ça c'est perpendicular bisector of the line joining point A and point B. Et tout point qui nous prend, c'est le locus pour venir low ça la ligne là. Et tout ben point low la ligne là, il est pour exact. Même distance depuis point A et point B. Next, 3B. Draw the locus of points nearer to point A than point B. Alors, ça, la ligne qui nous dessine là, tout ça, même point là, il est exact. Même distance avec point A et point B. À ça, si nous avons besoin de région, ou bien un point qui est plus près au point A qui point B, nous avons besoin de shade à gauche à la ligne là, parce qu'il y a une région ici, un point ici, pour plus près au point A qui point B. Alors, nous shading les pouvons à gauche à la ligne là, ou région côte point A là été. Alors, ça c'est le locus of points. Nous shade pour représenter région ou un set of points qui pour plus près au point A qui point B. Next, question 3 sur partie C. Draw the locus of points nearer to point B than point A. Alors, ça, nous dessinons perpendicular bisector. Et ben point là, la ben point là, j'ai même distance au point A et point B. Et si nous avons une plus près au point B qui point A, nous avons shade dans la région que B était. Alors, nous shading, nous pouvons, dans sa question là, à droite à la ligne là. Et ben point ici, nous pouvons plus près au point B qui point A. Le locus pour venir dans la région ici. Ça, c'est locus of points nearer to point B than point A. Next, dernier type locus, numéro 4. C'est locus of points equidistant from two intersecting lines. Il y a de la ligne qui peut intersecter AB avec AC. Nous avons un point qui pour même distance à sa la ligne AC là avec la ligne AB. Par exemple, si nous avons ce point là, les mêmes distances à la ligne AC et la ligne AB. Nous avons un point qui peut être exact ici. Alors ici, qui peut arriver si nous bisect sa angle côté A là, tout un point qui peut être la ligne là, il peut même distance à la ligne là.
Et comment nous faisons le second angle? Nous apprenons. Nous placons nos compas ici, côté ça point vertex côté dans l'angle là. Nous dessinons un arc. Nous ne pouvons pas bouger nos compas. Nous placons nos compas côté arc là, une zone là, nous faisons notre arc. Pas bouger nos compas, placez-les ici à ce terre. Nous faisons notre arc. De là, côté ça des arc là, une zone, nous faisons ça point là, et ça point côté dans l'angle là. Nous joignons ça des points là. Alors ça c'est bisector of angle C et B, le bisect angle là. Et ben point qui trouve l'eau sur la ligne là, il pour même distance à la ligne AB que la ligne AC. Alors ça c'est locus pour question 4A. Next 4B, draw the locus of points nearer to line AB than line AC. Avant de dessiner nous, bisector of angle, ben point l'eau la ligne là pour même distance à la ligne AC qui à la ligne AB, à ce plus près à la ligne AB qui la ligne AC. Alors nous avons besoin de shade de région en bas sa construction line là, et ben point qui pour trouve locus qui pour ici, ben point qui pour trouve de sa région là, il pour plus près à la ligne AB qui la ligne AC. Et next 4C, locus of points nearer to line AC than line AB. Alors, ça, la ligne, il y a une séparation qui divise sa région AC et AB là, equal au milieu. Si on veut une plus près à AC qui AB, on a besoin de shade de région côté AC et T. Alors, nous shade là où la construction line là. Alors, locus, il y a un point qui trouve de sa région là. Ça, c'est réponse pour question 4C.